Qu'est-ce qu'un artiste pour vous? Un artiste, c'est quelqu'un qui veut représenter, même pas forcément ce qu'il veut faire. Il peut représenter ce que les autres veulent représenter. Il peut traverser la vérité s'il veut. Il est un peu, il est maître de ce qu'il fait. Il peut faire, par exemple, un artiste, il veut faire un tableau, et il n'est pas obligé de dessiner un rhinocéros sur le tableau. S'il veut, il peut dessiner un chien. Donc il peut faire, dans l'art, tu peux faire ce que tu veux, presque. Même si tu peux faire ce que tu veux. Pour moi, un artiste, c'est plus quelqu'un qui a choisi une autre manière de s'exprimer. Et comme nous, on parle pour dire que l'on est malheureux, que l'on est heureux, lui, à travers ses œuvres, il va diffuser ses sentiments dans et autour de l'endroit où son œuvre est placée pour que ce sentiment reste. Alors que dans la réalité, un jour on peut être très malheureux, et puis le lendemain on peut être tout à fait heureux. Mais avec une œuvre, si on peint un tableau où l'on exprime son malheur, le lendemain, même si on est très heureux, le tableau exprimera toujours le malheur. En pensant à mon travail, je me suis souvent demandé pourquoi je m'impliquais autant parmi les gens. D'où me venait cet intérêt constant pour les pratiques les plus ordinaires? Pourquoi tous ces déplacements dans des lieux souvent à l'écart du monde de l'art? Alors, je me suis souvenu des discussions avec ma mère, de cette insistance que je mettais à lui parler de ce que je faisais dans l'art. Je voulais qu'elle comprenne. J'avais cette manière maladroite de vouloir l'instruire alors qu'elle ne le désirait pas. Pourquoi voulais-je tant obtenir sa bénédiction?